Mais bonsoir mes amis téléspectateurs, me revoici de retour à l'antenne et je vous remercie d'avoir appuyé sur votre téléviseur pour suivre notre belle émission Parlez-moi d'avenir. Alors je vais me présenter, je suis Annie, mon code PIN est le 777. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je pratique la voyance pure. Alors qu'est-ce que c'est la voyance pure? La voyance pure La voyance pure est un don où j'arrive à me connecter à votre esprit lorsque vous m'appelez et où je peux répondre à vos questions. J'arrive à me connecter à votre esprit ou à une tierce personne si la question est dirigée vers quelqu'un d'autre. Je vais d'abord mettre en avant vos forces et puis suivant dans quel domaine vos questions seront dirigées, eh bien je vais vous montrer aussi les faiblesses et les choses que vous pourrez réajuster. Ensuite, je vais utiliser les oracles pour certains que vous connaissez déjà à l'antenne, des oracles qui m'ont été inspirés et où je vais peaufiner les questions. Voilà pour ce qui est un petit peu d'ordre pratique et matériel. Alors, je vais faire le petit rappel concours et n'hésitez pas à écrire sur votre mobile le message TVM3 au numéro 700 et il coûtera seulement 1 franc pour une consultation ici même sur le plateau. Voilà notre jeu concours, profitez-en, c'est pour tout le monde. Ensuite, je vais vous faire le rappel. Ah non, j'allais oublier quelque chose d'important. Pour me consulter aujourd'hui à l'antenne, vous allez composer le 0901 901 933 touche 1, la touche 2 pour parler avec nos collègues et la touche 3 si vous voulez avoir une guidance. Je vais faire aussi le petit rappel du forfait prepaid que vous allez trouver sur notre shop boutique en ligne. Parlez-moi d'avenir ou appelez le standard au 021 694 2400. Alors, ces cartes prepaid, profitez-en parce qu'ils sont encore en promotion et ça vous évitera bien évidemment d'avoir de grosses factures et d'utiliser à bon escient. Voilà. Alors, ça, c'est pour tout ce qui est un petit peu pratique. Moi, j'ai préparé des jolis thèmes et j'ai vraiment envie de les partager avec vous ce soir. Et je vais donc vous parler des encens. Pourquoi on utilise les bâtons d'encens? Alors, comme vous le savez, de chez nous, dans nos locaux, dans vos lieux de travail, on fait des nettoyages. Mais il y a aussi les nettoyages énergétiques. Tout comme les énergies positives, il y a aussi les énergies négatives, que on dit aussi indésirables. C'est des choses qu'on ressent, en fait. Ce n'est pas des choses qui sont visibles. Et on dit des énergies lourdes, gluantes, plombantes, étouffantes. Et ils peuvent s'accumuler dans un lieu ou même sur vous-même. Les origines de ces énergies dites indésirables, eh bien, il y a plusieurs origines. Il y a des origines de disputes, de deuil, de divorce. Ça peut être aussi ce qu'on ramène depuis un lieu, des soucis et des charges énergétiques qui se sont collées à vous et ne vous appartiennent pas, comme par exemple des émotions refoulées, des angoisses, des soucis, mais c'est pas forcément de vous que ça vient, hein. Ça peut être justement de l'environnement. Et aussi ce qui fait partie d'un lieu. Il y a les mémoires des murs et des lieux et de ce qui est en lien avec les anciens habitants de l'endroit où aussi de où a été construit le bâtiment ou la maison et les mémoires qui sont inscrites. Ça veut dire par exemple le manque d'argent, les entités. Ah, écoutez, je vais devoir suspendre un petit moment mon super thème et je vais recevoir Tracy qui est en ligne. Bonjour Tracy. Mais bonjour Annie, comment allez-vous? Mais très bien, et vous, quelle jolie voix vous avez. C'est gentil, merci, pareillement.
Alors, Bienvenue, on se connaît pas, on se connaît pas encore. non. Alors, je vous souhaite la bienvenue parmi notre équipe. Merci beaucoup, Tracy. Même que vous êtes déjà un petit moment. Alors, moi, j'ai été un petit peu curieuse, comme j'espère les consultants qui vous téléphonent à l'arrière. J'ai été lire votre profil. Hein. J'ai vu que vous avez un panel de dons. Oui, Voilà. exact. Et j'ai vu que vous étiez capable d'augmenter le taux vibratoire des personnes. Vous voulez bien raconter comment vous faites? Oui, donc je vais me présenter. Ça fait quand même 8 ans que je suis dans l'équipe. Donc je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices et je les remercie déjà pour leur confiance et leur fidélité parce que vraiment, ils sont tous adorables. Et puis, moi, je suis Tracy, au code 888, et je suis médium de naissance, en fait. Déjà toute petite, je voyais des entités, en fait, autour de moi, et je pleurais parce que j'avais peur, je ne savais pas ce que c'était, vous voyez. Et donc, ça commençait très, très petite, déjà, à ressentir les gens, les lieux. En grandissant, je me suis rendu compte que j'avais vraiment ce don. En fait, c'est par la parole, par ma voix. Vous voyez, je parle et je purifie les personnes en même temps. Donc, ça se fait spontanément. Et j'ai aussi donc du magnétisme. Et j'ai donc mon don de clairvoyance au départ, c'est la médiumité, c'est quand même le haut son de la voix de la personne. Donc je capte vraiment les énergies de la personne et c'est là où je vais pouvoir défaire des nœuds, mais comme ça, naturellement, en parlant avec vous, comme je parle avec vous, ben voilà, le travail se fait naturellement. Et j'ai aussi donc l'écriture automatique. C'est-à-dire que quand la personne me parle, je commence à écrire. Donc là, je demande juste le prénom, la date de naissance pour la voyance. Et puis après, je commence à écrire des mots, des petites phrases. Vous voyez, c'est une écriture grossière et j'arrive pas toujours à me relire. Donc je dois interpréter rapidement ce que j'écris parce qu'autrement, après, c'est vraiment compliqué. J'arrive plus à me relire et j'oublie ce qu'on m'a dit. Excusez-moi, Tracy, une question concernant l'écriture oui. automatique. C'est vos guides qui vous inspirent? Oui. Alors moi, je suis connectée avec l'archange Uriel, qui ah, est quand wow. même l'archange de la connaissance, de la spiritualité. C'est lui. C'est vraiment lui qui est là avec moi pour la voyance, la médiumité. Après, j'ai l'archange Michael aussi pour débloquer des situations, ou l'archange Métatron, ça dépend toujours ce qu'il y a à débloquer. Et puis, pour tout ce qui est guérison, ça sera l'archange Raphaël, et puis Gabriel aussi, pour l'amour et toute la famille, vous voyez. Donc, je suis vraiment connectée aux archanges. Donc, je les ai toujours là. Je les vois d'ailleurs autour de moi, ils sont toujours là. Donc j'appelle, je dis voilà, Archange Michael, j'ai besoin de ton aide tout de suite, il est là. Et donc je peux vraiment débloquer toutes sortes de situations par prière, par invocation et avec l'archange Uriel. Donc justement lui, il m'affine les consultations, vous voyez. Donc j'ai pas besoin, j'adore les oracles, le tarot de Marseille, j'adore, hein, j'ai commencé comme ça, mais j'ai pas besoin, vu que je suis complètement en canal, donc je reçois les informations, les messages directement. Et ce qui est intéressant, c'est que des fois, je reçois des petites informations et un petit détail, mais ça peut vraiment nous, c'est important. Ça peut On faire changer. On arrive vraiment à décortiquer des situations, vous voyez, ouais. Et aussi, au niveau des énergies, justement, quand il y a une personne qui est en baisse d'énergie, on va déjà regarder s'il y a un traitement médical en premier. Parce que là, naturellement, quand c'est du traitement fort, automatiquement, notre taux vibratoire va baisser. Mais souvent, c'est aussi parce qu'il y a des entités, il peut y avoir eu un décès dans la famille, ou comme c'est une
passe une période où la planète, les énergies de la planète sont très très lourdes, il y a tout qui remue, hein, tout remue dans la terre, dans l'air. Donc c'est clair que en étant un peu fatigué aussi, une entité peut rentrer à travers notre aura et nous squatter, vous voyez. Et là, à ce moment, on va se sentir triste, un peu déprimé. On ne sait pas pourquoi, ou tout d'un coup, on est un peu hystérique, on s'énerve pour un oui, pour un non. Donc là, ça peut déjà être un signe qu'on a, on a une entité sur soi. Donc moi, voilà, on peut m'appeler, je regarde, et puis à ce moment-là, si c'est une entité, une amérante, une entité, on fait une prière que j'ai. C'est une petite prière que j'ai reçue en écriture automatique et donc elle fait remonter les âmes directement. C'est presque instantané. Donc j'ai des personnes qui avaient des douleurs par exemple, surtout dans le mouvement, vous voyez. Ça nous bloque le mouvement parce qu'on porte quand même une autre personne sur nous. On ne la voit pas, mais on la porte. Donc on se sent lourde et on peut avoir mal au dos ou mal aux jambes ou de la peine à avancer. Donc cette libération, c'est instantané. La prière, elle est faite en deux minutes et puis après, on est libéré. Voyez. Donc après, moi, je travaille encore un tout petit peu pendant quelques jours pour bien refermer la faille par où l'entité est entrée. C'est un peu comme de la couture, vous voyez, on referme l'aura, là, le petit trou, pour pas qu'il y en ait d'autres aussi qui reviennent. Hein. Voilà, donc c'est un travail un peu subtil, mais important. Et donc, c'est pour ça que souvent, je commence par ça, quand une personne me dit « je suis fatiguée », je me sens pas bien, alors je regarde tout de suite si c'est une entité ou pas. Après, il peut y avoir des mémoires aussi karmiques qui nous bloquent, qui ressortent, voilà, qui ressurgissent à telle période de notre vie suite à un choc émotionnel ou à une contrariété assez forte, voyez, ou de nouveau un problème de santé. Donc là, la mémoire, elle peut agir de nouveau sur notre corps physique, comme par le passé, parce qu'elle n'a pas été enlevée. Alors ça, je fais aussi les mémoires karmiques, que j'enlève aussi. Alors pour répondre à votre question, pour remonter le taux vibratoire des personnes en général, moi je travaille, donc je le fais par magnétisme. Et comment, excusez... Le magnétisme, j'impose mes mains directement, j'écris le prénom de la personne avec sa date de naissance, et je vais demander à mon archange Uriel un ou deux mots de guérison spécifique pour la personne. Donc c'est des mots qui veulent pour moi rien dire, qui n'ont aucune signification, mais c'est dans leur langage là-haut. Et je vais prononcer ces mots comme un mantra en imposant mes mains sur la personne, le prénom de la personne. Voilà. Et ça agit instantanément. Si j'ai bien compris... Trécis, oui. Excusez-moi de vous interrompre. Si j'ai bien compris, vous travaillez beaucoup dans vos dons avec la prière, hein, et avec les anges. Oui. Ouais, c'est super. Avec les archanges, avec mon magnétisme. Bon, j'ai fait des formations de différents soins énergétiques aussi, que je peux utiliser. Donc la même chose pour les humains, pour les animaux. Pour les lieux aussi, je purifie les lieux donc d'habitation à distance, je fais tout à distance. Donc on peut faire beaucoup de choses. Donc voilà, j'utilise vraiment mon don parce que en fait, j'ai pas besoin de faire grand-chose et ça fonctionne parce que c'est quand même divin. On est sur des plans divins et ça agit instantanément. Tout à fait. Donc je fais aussi des protections, vous voyez, pour si par exemple on doit se faire opérer, vous me donnez la date, le lieu, et moi je vais prier ce jour-là, vous voyez, mettre une protection pour cette date spéciale. Pour les élèves, les étudiants, s'il y a des examens à passer, je peux aussi mettre une protection, on peut m'appeler juste pour une protection. Et aussi pour les permis de conduire, enfin toutes sortes d'examens. Pour aussi les commerces, vous voyez, quand il y a des commerces
qui fonctionne moins bien ou qui a une baisse de clientèle, on peut aussi réactiver un petit peu tout ça par le magnétisme. Donc là, j'aurais besoin aussi du nom et de l'adresse du commerce, ça y est, mais je peux remonter toutes les énergies en fait des lieux. Et après, donc, on a quand même des résultats positifs assez rapides. Tracy, je vous remercie de votre présentation. Elle a été très riche. J'espère que tous les Merci beaucoup. téléspectateurs ont bien entendu tout ce que vous avez raconté. Et quand est-ce qu'on Et peut vous joindre, puis, Tracy? alors je me connecte en général surtout le soir, donc entre 20h, 20h30 et jusqu'à 22h, 22h30, des fois 23h. Voilà, surtout le soir en ce moment. Oui. Et aussi le week-end, hein. Je travaille aussi les week-ends. Donc, comme je dis toujours, je peux pas mettre un planning parce que j'ai moi-même toujours des imprévus. Donc, je préfère pas mettre d'horaire fixe parce que ça joue jamais. Donc, Voilà. regardez sur notre site internet et vous regardez quand je suis en vert, connectée. Donc, mais en général, surtout le soir. Tracy, je vous remercie de votre présentation et de votre passage ici. Mais c'est moi, et moi je vous souhaite une bonne continuation d'émission À vous et aussi. beaucoup de belles consultations À à vous aussi, vous. Tracy, et bon succès. Et salutations à tout le monde. Merci beaucoup, à Merci. vous aussi. À tout Merci, bonne journée, bientôt. bonne soirée, au Au revoir, revoir. Annie. Merci Au revoir, bonne beaucoup, soirée à Tracy, au tous. revoir. Merci. Au revoir, au revoir. Voilà, vous avez entendu Tracy au téléphone. Son code PIN est le 888 et vous la trouverez de préférence en soirée et ceci tous les jours. Merci donc à Tracy à son passage en ligne. Et maintenant, je vais continuer mon thème sur les encens. Alors, je disais que les énergies négatives peuvent avoir aussi lieu avec les anciens habitants et l'endroit où la maison a été construite, hein, ce qui veut dire il y a des mémoires qui sont inscrites dans les lieux où l'appartement ou la maison a été construite, ça veut dire le manque d'argent, des entités malveillantes ou alors les mémoires de tragédies. Hein. Les tragédies, c'est vraiment des choses qui sont très graves. Qu'est-ce que ça apporte comme conséquence lors de ces mémoires, de ces entités présentes? Eh bien, c'est que ces énergies malveillantes font baisser le taux vibratoire, hein, du lieu de vie et le vôtre aussi. Et ouvre la porte aux entités dites malveillantes. Dans ces lieux, on peut se sentir fatigué, on peut avoir des vertiges, des troubles du sommeil, les idées noires, faire des cauchemars, avoir des angoisses, avoir des malaises, du mal-être ou des phénomènes paranormaux. On peut aussi entendre des bruits ou des voix. Des meubles qui peuvent aussi bouger sans raison et des affaires qui se cassent ou qui se déplacent. Ça, tout ceci, ce sont des charges qui ne vous appartiennent pas. Alors, ces mêmes entités peuvent aussi nourrir les disputes du couple, de voisinage ou aussi révéler dans votre couple, justement, quand il y a ces entités-là. Et ils s'accrochent aussi sur les enfants et sur les animaux qui sont particulièrement très sensibles, justement, et peuvent aussi, eux, même mieux que nous, les percevoir. Il existe des solutions assez simples pour purifier ces lieux des énergies négatives et indésirables. Dans ces cas, on dit des énergies lourdes. Donc, quand il y a vraiment des énergies qui sont très 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 lourdes et très pesantes, ce que moi je vais vous proposer, ça va pas suffire à ces moments-là. Il faudra plutôt faire intervenir des professionnels. Hein. Donc, c'est des gens qui ont un secret justement pour dégager ces choses-là. Alors, ces grands nettoyages énergétiques peuvent se faire à tout moment, mais dans certains cas, ils sont plus propices qu'à d'autres. Moi, je vais déjà vous donner un conseil
que si vous faites des nettoyages énergétiques assez souvent, comme vous faites votre ménage, bien vous aurez toujours une énergie positive dans votre lieu d'habitation ou dans vos lieux de travail. Mais par exemple, quand vous allez aménager dans un nouvel endroit, là, oui, c'est même nécessaire de faire un travail énergétique. Et si possible, avant que vous ameniez toutes vos affaires, lorsqu'il y a des fêtes, lorsque vous allez faire des fêtes en famille, ça c'est propice aussi, c'est toujours selon vos croyances, hein. Quand je dis fête, ça peut être anniversaire, mais ça peut être aussi réunion familiale, ça peut être aussi l'occasion de grandes fêtes, hein. On peut les faire aussi avant les repas ou si vous avez des décisions à prendre avec votre conjoint. Les nettoyages aussi énergétiques sont favorables lors de la pleine lune. Alors, comment ça fonctionne ces utilisations d'encens? Ben, c'est dans ce processus que quand on va allumer ces encens, c'est la fumée qui va emprisonner ces charges indésirables avant de les dissoudre dans l'air. Alors, comment est-ce qu'on utilise ces encens? Tout d'abord, allumez une bougie. Commencez par vous ancrer et remerciez les plantes que vous allez utiliser et prévenez aussi les lieux de ce que vous allez faire, ainsi que les animaux et les enfants. Et vous verrez même que les énergies des enfants et de vos animaux lors de ce processus pourraient même vous aider. Posez l'intention, comme quand vous allez prendre un stylo pour écrire un mot sur une feuille, eh bien vous vous dites, je vais prendre le stylo pour écrire ça. Quand vous allez utiliser vos encens, vous allez faire la même chose et mettez-y l'intention. Ainsi que restez dans l'intention pendant tout ce processus de nettoyage. Maintenant, vous allez allumer ces encens. Et vous allez faire tout le tour de vos chambres et de vos pièces de séjour, de tout, salle de bain, cave y compris si c'est possible, et veillez bien à ce que la fumée se disperse bien le long de chaque mur, de chaque meuble et objet, dans les armoires, dans les placards, et aussi souffler pour faire aller la fumée sur ce que vous voulez nettoyer énergétiquement. Laissez bien la fumée se dissiper et faire un tour aussi autour de vous, ce qu'on appelle une douche énergétique. Quand vous avez fini de faire toutes ces fumigations, vous ouvrez les fenêtres et le système d'aération et vous-même aussi prenez l'air. Ce qui est important aussi pour faire augmenter le taux vibratoire, c'est mettre de la musique. Alors, mettez de la musique qui vous plaît, hein. Pas besoin de mettre des choses qui ne vous plaisent pas. Ça peut être les bols chantants, ça peut être des prières, ça peut être des chants, ça peut être ce qui vous plaît. En fait, quelque chose qui émet un son. Maintenant, je vais vous présenter la sauge. Alors, je vais vous raconter un peu les bénéfices de cette sauge que vous allez trouver dans notre boutique en ligne sur parlez-moi-d'avenir.shop. Vous la voyez maintenant à l'antenne, elle est au prix de 15 francs et c'est une sauge amérindienne. Alors, la sauge amérindienne, elle est capable de décharger des lieux, des personnes ou des événements, les animaux et des mauvais esprits. Elle favorise la naissance et les décès. Ça veut dire que si vous avez eu un lieu, un décès dans ce lieu, vous pouvez brûler de la sauge blanche, justement pour purifier ces énergies. La sauge 1, nous avons quelqu'un en ligne. Je vais devoir mettre un petit moment de stand-by sur notre sauge adorée et je vais vous laisser un peu. Je vais prendre quelqu'un qui est en ligne. Bonjour. Oui, bonsoir, c'est Annie, je crois, hein, votre Oui, prénom. bonsoir, Oui, excusez-moi. voilà. Je vous en prie. Comment allez-vous? Voilà.
Mais je vais bien, merci. Je vais Après juste beaucoup prendre de... votre date de naissance, hein. Oui, Et alors puis c'est je le vois qu'il y a 22. un autre prénom, mais je ne vois pas la date. Alors l'autre prénom, c'est Christophe dans le 22-9-66. Voilà, Deux, et puis il y a trois, encore un voilà. troisième prénom. Oui, il y a Sylvie, c'est le 8 Attendez, je les vois là maintenant. Il n'y a pas besoin, si vous ne voulez pas les mai 73. dire, Ah, c'est pas bon. besoin. D'accord, voilà, c'est bon, C'est bon, alors. la régie a fait tourner Oui, le... je comprends. Voilà, je crois que j'ai tout écrit. Alors, il y a C'est une, vrai, deux, super. il y a trois personnes, on est d'accord, hein? Donc, il y a moi, il y a mon fils, sa copine, et puis il y a encore ma petite fille, peut-être, je ne sais pas, Oui, parce c'est qu'elle bon, s'est là j'ai cachée depuis. noté. Vous avez, Donc, alors il bon, y a, cool, avec vous, ça parfait. fait quatre, on est d'accord? Un, deux, trois, quatre, oui. Ok. Jérémy aussi, Ah, Jérémy. je ne l'ai pas vu alors, lui. Est-ce qu'on peut Jérémy, montrer la date de Jérémy, peut-être? c'est le 22 Ah, voilà, je juillet. le vois, merci. Vous avez. Bon, C'est alors, bon. c'est parfait, on peut. La liste était On longue. part. Oui, je comprends. Mais voilà. Alors. Voilà, je vous écoute. Est-ce que je peux dire votre prénom ou bien je dois le changer? Qu'est-ce qu'on voulait changer quand même, peut-être, on va dire, Je vais appeler. Angélique, voilà. D'accord. Et puis pour les autres, je vais juste dire la Oui. première lettre du Oui, prénom, voilà, on d'accord? fait comme ça. Oui, Comme ça, on super. arrivera à se suivre. Impeccable. Alors, je vous écoute. Alors, Anise, d'abord, mes énergies. Vos énergies. Bien, écoutez, je vois que vous aviez passé une période un petit peu compliquée. Hein. Exactement, tout Oui, à fait. et je Oui. vois que vos énergies sont en voie de remonter. Votre taux vibratoire est en train de s'améliorer. Oui, je crois aussi. Vraiment, comme on dit, j'ai jeté un coup de pied à la misère là du côté des énergies. C'est très Bon, bien. On me dit qu'il faut j'ai eu un continuer. pépin l'année passée. Oui, bien sûr. On me dit qu'il faut continuer à foutre loin le passé, si je peux me permettre d'être un petit peu Oui, tout sèche. à fait. Tout à fait. Oui, c'est ce Et que je fais. continuer d'aller de l'avant parce que vos énergies, elles vont continuer à monter et vous allez pouvoir classer beaucoup de choses au niveau énergétique. Vous permettez que je D'accord. regarde avec le pendule de voir où elles sont vos Oui, énergies? bien sûr. Oui. Alors, je me concentre sur vous et votre date de naissance et je vais demander où elles en sont les énergies, hein, pour vous. Oui. Écoutez, Angélique, c'est super parce que vous avez gentiment, c'est pas encore tout à fait OK, hein, c'est bien ce que je vous disais avant. Oui, Il faut je crois terminer bien. encore cet enracinement sur vous-même. Et il y a encore certaines peurs encore qui refont surface, pardon. Oui. Mais vous allez gentiment retrouver un équilibre. Hein. En tout cas, je le ressens. Hier, c'était... Moi, je suis une adepte de Sainte Rita. On avait la messe, puis après le repas. Et je dois dire, pourtant, j'avais très mal dormi dans la même nuit. Mais je me suis dit, Angélique, t'es nouveau à la bonne place. C'est super. C'est pas Oui. encore tout à fait, mais ça va venir, hein. Non, je comprends. Oui, Alors voilà. je vais ouvrir mon oracle et je vais demander l'évolution de vos énergies. Oui, d'accord.
Oh, mais je me suis trompée d'oracle. Oh, je me disais, mais c'est Pas bizarre. grave, pas J'ai grave. pris l'oracle du travail. Non, mais c'est celui-là que tu Bon, dois vous avez prendre. travaillé Oh, un mais je me bon suis aussi, trompée. Je me disais, mais c'est bizarre. Ça, je ressentais pas les cartes. C'est bizarre. Bon, attendez, je dois rebrasser mon autre jeu. Là, je me suis trompée de jeu. Pas de souci. C'est que quand je suis à l'arrière, j'ai toutes les boîtes avec les noms écrits dessus, donc je ne me trompe pas. Et là, du coup, j'ai posé le jeu de cartes sur le nom qui représente le domaine que je veux travailler avec et je me suis trompée. Pas de souci. Voilà, vous avez commencé à faire un régime, Angélique. Non, non, je dirais. Bon, mais je fais quand même beaucoup, très attention à ma nourriture, hein. Moi, Oui. je prends que, j'achète que du bio. J'évite de trop manger le soir ou pas, ou très, oui, très très peu. Je bois beaucoup de tisane, voilà. Alors, on me dit que vous pouvez améliorer vos énergies si vous faites encore un petit peu plus attention. D'accord. Mais c'est surtout des reflux gastriques que j'ai beaucoup. Là aussi, je passe par des naturopathes parce que voilà, je ne vais pas prendre On vous a des donné un cochonneries. traitement, les naturopathes, vous en donnez un traitement? Oui. Et vous le supportez bien? Oui, tout à fait. Oui. Oui, c'est comme je vous disais, vous n'êtes pas encore tout à fait dans un équilibre, mais c'est en train de se mettre en place. Donc, Mais c'est super, on me super. dit aussi que il y avait pas mal d'émotions refoulées, de la colère au niveau du foie, et tout ça, c'est en train de s'en aller. Oui, ça c'est très juste, c'est très juste. Bon, mais je fais confiance en la vie Mais parce vous que pouvez y voilà. aller, hein, parce qu'il y a une nette amélioration ici, et je vois que cette personne que vous consultez, elle vous est d'une grande aide. Bon, alors impeccable, super. Donc, au niveau énergétique, j'ai pas grand-chose à vous apprendre. Vous êtes vraiment dans de très bonnes mains avec ça, monsieur, hein. Oui, tout à fait. Alors, continuez le traitement Et avec puis lui. je ne sais pas si vous connaissez la biorésonance. Oui, mais de loin. Bon, Je ne connais pas vraiment, de vraiment, loin. mais de loin. Alors là aussi, je vais régulièrement, là, une fois par mois, faire un soin. Mais là, il peut aussi me dire comment je vais, mes énergies et sur quoi il faut travailler. Non, je dois dire, il y a des années que je fais ce genre de choses, mais là, je suis très contente. Ben là, moi, je vois que vous êtes vraiment en train de tourner la page sur De beaucoup de remonter. choses. Maintenant, vous Et là, savez c'est aussi super. que les énergies, ce n'est pas une baguette magique qu'on va voir Non, quelquefois. Je le dis non, aussi pour non, les non. autres téléspectateurs, hein, qu'on suit des Tout à thérapies fait. naturelles et que, paf, ce n'est pas une baguette magique. En 3-5, Non, 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 tout va non. bien. Il Ça, faut être c'est un petit peu sûr. patient et c'est aussi un cheminement spirituel, hein, quand on veut Ou alors, se réajuster oui, dans ce nos côté-là. énergies. Côté-là, alors je crois que je suis bien écoutée de l'autre côté, hein, Oui, mais au vous point de vue savez, il y a d'autres spirituel. personnes qui nous écoutent à l'antenne et ça peut rendre service aussi à d'autres personnes. Votre cheminement Oui, personnel peut être un oui. exemple pour d'autres personnes qui Tout souffrent. à Hein. fait. Oui. Voilà. Mais je crois que vous savez, quand on demande, on reçoit. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors ça, c'est sûr, parce que vous savez, j'ai eu une grave opération donc l'année passée. Ah oui? J'ai eu la radiothérapie, mais tout s'est super bien passé. Mais là, je ne me suis pas gênée non plus, lorsque j'étais hospitalisée, de demander aux personnes à côté de moi ou vis-à-vis si elles avaient si elles croyaient à quelque chose. Et puis bon, si on me disait non, alors je n'allais pas plus loin. Mais sinon, je leur disais, mais demandez, vous recevrez. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais il faut demander. Et plusieurs personnes me disaient, mais vous êtes formidable, parce qu'alors vraiment, vous m'avez bien aidé aussi. Oui, je priais pour eux pendant qu'ils étaient opérés ou n'importe. Je crois que j'étais écoutée là. Hein? On est d'accord que quand on demande, on reçoit. Mais On des fois, reçoit, c'est pas le oui. jour instantané. C'est pas des fois instantané. Non, Des non, non, fois, il faut non. attendre un petit Non, peu, non, ça hein. c'est sûr. Voilà, tout à fait. Bon, Annie, on m'avait dit que j'allais rencontrer quelqu'un.
Ah Est-ce que oui, c'est on toujours vous avait annoncé cette belle nouvelle? Oui, est-ce que c'est d'actualité encore ou pas? Mais bien sûr que c'est encore d'actualité. Vous allez rencontrer quelqu'un même de très bien. Impeccable. Vous allez rencontrer dans votre vie tous les jours. Oui, super. Et qu'est-ce qu'il faisait ce monsieur? On va voir. On est curieuse. Moi, je suis très curieuse Vous avez de raison, parce que nature. moi aussi. Il faut, hein? Alors, on va demander cette rencontre pour Angèle. Angélique, pardon. Mais il est déjà inscrit dans le ciel, cette rencontre est déjà inscrite dans le J'ai ciel. pensé, Je m'ai j'ai tordu mes cartes, pensé. pardon, hein. Voilà. Elle est déjà inscrite dans le Oui. ciel, cette rencontre, hein. Puis Oui. c'est pas n'importe quelle rencontre. On me dit que justement, votre cheminement de guérison n'est pas encore terminé. Donc quand vous aurez D'accord. terminé votre cheminement, dans vos énergies notamment, ben, vous serez prête à Oui. accueillir cette rencontre. Super. Impeccable. Mais il était dans quel domaine? Est-ce que ça vous arrivez à voir ou pas? Je vais voir, je vais demander. Des fois, on répond, des fois, on ne répond pas, hein. Je comprends. Alors, on va demander dans quel domaine il est, ce monsieur. Alors, domaine, vous savez, Angélique, domaine, c'est un monsieur qui ne travaille plus désormais, hein. Non, ça je pense, ça je pense. Alors, si c'est, vous voulez savoir, c'était un monsieur qui était dans le domaine juridique. Ah d'accord. Ça vous parle? Alors? Oui, peut-être. Mais disons, je vois pas du tout encore, je le connais pas du tout, hein. Pas encore, c'est Non, prévu, non, c'est non. écrit, mais elle n'est Oui. pas encore prête, cette rencontre, parce que vous avez D'accord. encore des énergies à réguler. Oui, Pour que pas de quand souci. cette rencontre, elle se fasse, ce soit une relation d'âme et pas une relation karmique. D'accord. Et là, j'ai reposé à nouveau le jeu. Et on me dit bien que c'est pas prêt encore dans le présent, hein. On me le dit deux fois. Je sais pas si la caméra, elle veut D'accord. peut-être montrer. Mais ça va Oui. arriver. Encore un petit peu de patience. Écoutez, la patience est la mère des vertus. On dit, des fois c'est difficile. Et puis le père des têtus. Je sais pas si vous avez déjà entendu cette Et comment que je l'ai formule. déjà entendu? Alors, cette rencontre, elle va de toute façon se faire. Ça, c'est la réponse, elle est bien là. Mais on me dit bien qu'il y a encore des choses à régler, hein, dans le présent. Tout à fait. Oui. Maintenant, ça se peut très bien que dans votre vie, tous les jours, vous l'ayez déjà rencontré, ce monsieur, sans vous connaître, hein. C'est possible, oui. Il faut que je sorte un peu plus parce que bon, moi, voilà, il y a eu des périodes qui étaient moins faciles que maintenant, mais voilà, je vais recommencer aussi un petit peu plus à sortir. Oui, mais pour moi, vous l'avez déjà vu. Visuellement, Ah vous bon. l'avez déjà vu. Ah bon, pour moi, ça doit flasher parce que sinon, c'est pas possible, hein. Mais justement, ça vous dit rien, justement? Oui, bah écoutez, comme ça, non, ça me dit rien. Ça me dit rien, Quand mais vous le bon, reverrez, que votre cœur il sera prêt à l'accueillir, eh Oui. bien, vous direz, mais oui, ce monsieur, je l'ai déjà vu. D'accord. Bon, alors, on peut aller un peu plus loin? C'est vous qui Je peux décidez, encore vous si vous poser? avez encore d'autres questions Oui. vous concernant. Non, me concernant, c'est bon. D'accord. Mais bon, alors mon fils, je crois que je vous avais les coordonnées, c'est Oui, C. j'ai. Voilà.
Et puis, sa copine, bon, actuellement, ils sont en vacances, mais je sens tellement de tension entre eux. Voilà. Alors, Bientôt, il va la quitter. excusez-moi, votre fils et sa copine, c'est C et Oui. S. Oui, exactement. D'accord. Alors, vous voulez savoir comment elle se déroule leur relation? Oui, d'une part, mais bon, moi, je pense qu'il va pas la garder parce que il me semble qu'il est plus apte à rester avec cette fille. Qu'elle est assez manipulatrice. Mais bon, je ne dis rien. C'est leur histoire. Alors, entre ces deux personnes, il y a un éloignement. Ils arrivent plus à s'entendre, ils sont plus sur la même longueur Non, d'onde. non, non. Et je pense que Pas du tout. effectivement, c'est pas une relation qui va durer. Je perçois, pardon, une relation. Ben, disons que la flamme s'éteint. Gentiment, oui. Et je me demande. C'est juste. Si la demoiselle, elle a mentalement, elle l'a pas déjà quittée, elle voit peut-être quelqu'un d'autre. C'est possible. Je vais regarder avec eux, El Taro. Mais moi, je C'est pas pense une plutôt que c'est relation mon qui va fils qui a durer, dû. effectivement, Non, non. Angélique. C'est pas une relation qui va Oui. porter ses fruits, malheureusement. Non, non. Moi, il y a un moment qui sont ensemble, mais Oui. là, je sens très bien. Mais il m'appelle des fois, puis il me dit, on s'est nouveau pris la tête. Voilà. Bon, mais je dis rien, mais enfin, je dis, écoute, Christophe, c'est Ben, ta vous vie, savez, puis. ça fait partie de leur chemin de vie à tous les deux, parce Oui, tout que à fait, tout à fait. ils ont Mais moi, j'ai grandi en. l'impression que. Non. J'ai l'impression qu'il a déjà des vues sur quelqu'un. Oui, c'est ce que je vois. Il a quelqu'un déjà en C'est tête. juste. C'est juste, hein? Oui. Bon. Laissons faire le temps au temps aussi. Quand ça doit casser, ça cassera. Ben, c'est déjà en train. Oui. Parce que lui, il a déjà rencontré quelqu'un. Oui. Mais elle Bon. aussi, hein, vous savez. Ah bon? Alors, c'est Après, mieux. ils sortent pas C'est mieux. ensemble, mais ils communiquent ensemble, ils se voient. Ces deux-là, ils ont fait un bout de chemin ensemble, et puis maintenant, ben, Voilà. la relation n'amène plus rien. Tout à fait. Tout à fait. Bon, ça, c'est quand il a quitté son épouse, parce que pour lui, c'était un gros drame, disons, le divorce, hein. Et ma foi, il avait besoin d'avoir quelqu'un assez rapidement. Alors voilà, il l'a trouvé. Et puis, ils ont fait un bout de chemin ensemble. Et voilà, ça va se C'était terminer. une relation d'entre deux. Une Oui, relation, on j'y dit pense. sparadrap. Oui, tout à fait. Oui. Alors voilà, bon, ça c'est une Maintenant, chose. votre fils, la prochaine rencontre, il va en faire encore une, mais ça ne va pas être encore la bonne. Hein. D'accord. Ce D'accord. sera aussi à nouveau une relation pour pas rester tout seul, parce que votre fils, il a beaucoup de mal à rester seul. Et Tout à fait. à se remettre en question, en fait. Parce que, en fait, il n'a pas compris qu'il doit trouver sa vérité pour trouver sa moitié. Moitié, entre Oui. guillemets, parce qu'on est toujours des êtres complets, pas qu'on ait, il nous manque quelque chose. Mais Bien pour sûr. trouver, on dira, la bonne personne, ben, ce serait bien qu'il trouve un peu son chemin à lui, sa vérité, ses vérités à lui. Et comme il refuse Oui. un peu ce questionnement, ce chemin véritable, il fait que des relations, il va refaire une autre rencontre, que ça va aller un petit bout, partager quelque chose dans l'intimité, mais ça va se terminer. D'accord. Bon, écoute, comme je vous dis, laissons le temps. Ben, ça fait partie de son chemin aussi. Il faut qu'il, Oui, enfin, oui. il faut pas. J'ai pas d'ordre à donner, mais c'est pour lui le moment de comprendre que. Il vaudrait mieux qu'ils se comprennent lui, qu'ils se connaissent mieux lui, parce qu'au final, il ne se connaît pas beaucoup. Et il C'est manque un petit juste. peu de maturité pour vraiment avoir, pour faire vraiment une belle relation, une belle rencontre, Tout à pardon. fait. Tout à fait. Bon.
Alors, il a donc son fils, je crois que vous avez aussi la date là, hein, Oui, qui c'est va, le J, hein? il va, oui, c'est J, il va passer ses examens prochainement là d'électricien. Est-ce qu'il réussit son examen? Oui, il va réussir son examen. J'y pensais, oui. Moi, je peux Il aussi va un petit peu le réussir son prendre du là, examen. mais. Votre petit-fils, c'est quelqu'un d'ambitieux. Oui, tout à fait. Oui, Et c'est puis, il s'est un des deux. accroché. Il s'est accroché Oui. à son rêve et qui va Oui. justement le réaliser. Oui, ça, C'est j'en doute super, hein, pas. c'est une C'est bonne vrai qu'il nouvelle. est. Oui, tout à fait. Il va Oui. réussir. Tant mieux, tant mieux. Et puis, sa sœur, c'est Alexandra A. Il va changer de vie, Et votre fils, hein? Pardon, votre petit-fils. c'est vrai, il veut faire autre chose. J'ai l'impression qu'il aura. Vous permettez juste que je creuse un peu. Oui. J'ai comme l'impression qu'il va vouloir se diriger vers autre chose. Oui, c'est ce qu'il nous disait. Eh ben oui. Oui. Mais je lui dis, bon, il me disait peut-être encore une année de pratique, puis après on verra. Je lui dis, mais voilà, si tu as envie, vas-y. Il est ambitieux, donc il met la barre Très. assez haut, il a bien raison. Oui. Non, non, mais c'est deux gentils enfants, je dois dire. Enfin, des grands-enfants déjà. Maintenant, on me dit Mais. aussi que si il veut continuer à évoluer, ce serait bien que il s'active pour trouver une nouvelle place, hein. Il attend juste le Oui. résultat des examens, mais qu'il n'attende pas trop pour chercher autre chose. Tout à fait. Alors, bon, Parce que je me là, ça permets qu'il risque d'être passe le un petit peu message. compliqué pour trouver autre chose, hein, c'est ça. Bien sûr, bien sûr. Et Alexandra? Alors, on va regarder la question, c'est quoi, concernant votre petite Alors, fille? elle a aussi passé ses examens l'année passée d'architecte. Elle a très bien réussi. Et puis, elle s'est cassé le pied. Alors, elle ne sait pas encore si elle devrait être opérée. Bon, on lui a mis un plâtre. Mais elle aimerait quand même pouvoir partir en vacances au mois de juillet. Est-ce que ça va marcher? Ça va être un peu compliqué pour les vacances, hein. J'y pensais aussi, hein, parce que voilà, il faut marcher, hein. Elle n'arriverait pas à reporter un peu ses vacances? Je sais pas, je suis pas trop questionnée. On me dit que c'est pas très prudent, hein, si elle part. Elle devrait attendre Ben un ça, je petit peu pense. concernant justement. Son pied passe partir en vacances et devoir rester couché 24 heures sur 24, ça va être un peu Non, non, ça compliqué. va pas. Non, non, ça c'est sûr. Bon, voilà. Mais elle va bien aussi, hein. Elle a aussi c'est aussi une volontaire avec. Et volontaire, mais elle est jalousée, votre petite fille. J'en doute pas parce qu'elle est très intelligente. Très. Elle a du mal à avoir des relations qui tiennent dans l'amitié, hein. Et même avec les hommes, hein, elle a un peu de problème. Ah bon? La jalousie. Hein. Mon Dieu, si la jalousie était du pain, plus personne n'aurait faim, hein? Qu'est-ce que vous voulez, voilà, quoi, elle a atteint un niveau assez élevé au niveau professionnel, bah, il y a des Oui, envieux, hein. bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, ça va aller bien pour elle. Bon, alors c'est super. Maintenant, pour les vacances, on me dit bien que justement, ce serait bien qu'elle attende et puis elle va faire une jolie rencontre. Ah, ben tant mieux. Donc, pendant les vacances ou bien. Oui. Non? Oui? Oui. Super. Et ça peut, et je ne sais pas si ce n'est pas le retour d'un ex qui revient. Parce que moi, Ah, on me dit qu'elle d'accord. était déjà en relation avec un monsieur. C'est possible. Mais elle est très secrète. Elle parle pas Non, elle parle ce pas côté-là. beaucoup. Non. Elle a compris que pour vivre heureux, ils vont cacher. Tout à Elle fait. a compris que, ma foi, il y a des gens qui la jalousent et qui l'envient, donc elle a appris à se taire. Et je pense qu'elle Oui. a bien raison. Mais il y a quelqu'un qui va rentrer dans sa vie de toute manière. Et ce sera un Bon. mec très chouette, oui. Alors, impeccable.
Alors Annie, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Je On voudrais a vous déjà dire un fait le grand tour? merci. Oui. Alors, je vous en remercie pour votre passage à la télé. Merci à vous. Et puis, je Et vous puis, souhaite une à bonne très continuation. bientôt. Oui, je vous souhaite une bonne continuation et puis à bientôt. Je vous tiendrai au courant. Merci Merci. beaucoup. Bonne Bonne soirée. Au soirée. Au revoir. revoir. Voilà, mesdames, messieurs, je vais vous quitter un court instant pour laisser la place à notre page de pub. À tout à l'heure. Et voilà, coucou, notre page de pub est terminée. Me voici de retour avec vous et on va poursuivre notre thème. Non, c'est le mien, mais je vous le partage et je vous l'offre avec beaucoup d'amour. On va continuer le thème sur justement la sauge. Alors, je voulais juste vous dire que sur notre site parlez-moi-d'avenir.shop, vous allez trouver deux catégories de sauge. Vous allez trouver le fagot. Et vous allez trouver le bâton. Alors, je voulais juste donner une petite information. Je me rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, j'avais eu quelqu'un à l'arrière qui m'avait demandé conseil. Et je lui avais dit, écoutez, ne brûlez pas les bâtons d'encens, sont pas très bons pour la santé. Parce que justement, ils sont enrobés de charbon et vous savez que ma foi, c'est toxique hein, pour la santé. Du coup, en prenant un peu plus d'informations, surtout au sein de la boutique, eh bien, voilà, vous la trouvez à l'antenne, vous la voyez à l'antenne, le passage du bâton d'encens à la sauge, et je vous la montre. Justement, nos bâtonnets à nous, ils ne sont pas enduits de charbon. Donc, elles sont très bien et si jamais j'ai dit à quelqu'un un jour ne pas brûler les bâtons d'encens, vérifiez simplement qu'elles ne soient pas enduites de bâtons comme celle-ci. Voilà pour ce qui concerne les bâtons. Maintenant, vous allez me dire oui, mais c'est bien gentil tout ça, mais c'est quoi la différence entre le bâton et le fagot? Ben, il n'y en a pas pour dire, sauf que voilà, les bâtons d'encens, ça va aller pour purifier énergétiquement ben justement les petits objets, les petits meubles. Et puis les fagots, ça va plutôt être pour les grandes pièces, pour les meubles. Hein. C'est tout ça la différence, mais les vertus sont identiques, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, je disais que en brûlant la sauge, elle va favoriser la purification de l'espace énergétique autour de nous. Elle va amener la sagesse, la clarté et la pureté. Favorable avant une réunion, avant une réunion dans le travail, avec la famille ou les amis. Ensuite, elle favorise aussi la désinfection contre les affections respiratoires. Hein. Je sais qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été atteints au niveau de la gorge ces derniers temps. Eh bien, brûler de la sauge. Ensuite, elle va désinfecter la peau et les infections buccales et elle soutient la digestion égale aussi pour les rhumatismes. La sauge blanche, elle détruit les mauvaises langues, le bavardage mental ou va les mettre en évidence. Ça veut dire que si voilà, vous êtes en réunion familiale, soit vous allez faire taire un peu cette manière de critiquer, ça va être vice-versa. Ou alors, la sauge blanche, elle va vous montrer entre guillemets, les défauts. Et ça, vous saurez que ce sont des énergies qui ne vous appartiennent pas. La sauge blanche, elle va aussi relever le moral, inspirer la paix et l'harmonie. C'est une plante sacrée qui favorise la relaxation, la méditation et le recentrage. Ensuite, nous avons aussi sur notre boutique un super encens aussi si bien sacré que la sauge, qui s'appelle le Palo Santo.
Le Palo Santo a des vertus purificateurs. Elle est relaxante. Ses bienfaits accompagnent de façon optimale le processus de guérison. Le Palo Santo, en fait, c'est le nettoyant universel. Comme vous avez dans votre placard un nettoyage universel pour nettoyer votre logement, le Palo Santo, il est pareil. Il a beaucoup de vertus et beaucoup d'utilisation. Alors, en fumigation, il va purifier les personnes, les lieux, les objets, comme les bijoux, les meubles, etc. Hein. Il nettoie les énergies négatives de façon assez puissante. Il purifie l'aura et les fait briller et va réchauffer aussi votre aura et en même temps votre âme. Avant une méditation, il éloigne les esprits malveillants, très important. Nourrit l'âme et rééquilibre les émotions. Diminue le stress, la nervosité, l'anxiété, les troubles du sommeil et troubles de la concentration. Il va vous aider à dégager ce qui ne sert plus, à éliminer de façon radicale les esprits toxiques. Et la petite particularité du Palo Santo, c'est que si vous allez l'utiliser le matin, il va faire monter les énergies et vous allez vous montrer beaucoup plus créatif. Si vous l'utilisez le soir, il va plutôt vous apaiser et vous aider à dormir. C'est bien pour ça qu'on dit que il a des vertus aussi de recentrage. Dans le commerce, il permet de trier dans le calme. Il renouvelle l'abondance et assure la croissance. Si vous utilisez le Palo Santo et qu'il y aura, vous allez certainement vous remarquer qu'il va y avoir un petit moment de silence. C'est justement parce que le Palo Santo va tellement décrasser ces entités que il va falloir un petit peu de paix autour de tout ça. Et ensuite, quand le Palo Santo va remettre cette énergie en place, la bonne énergie dans ses commerces, vous allez voir qu'il y aura une croissance et de l'abondance. Dans le logement, il dégage toutes les entités invisibles. Les entités dégagées seront extériorisées par des cadavres et des insectes. Vous allez voir, alors quand je parle de cadavres, vous n'allez pas voir les morts, attention, hein. Mais ce sera les petits cadavres d'insectes, des petites choses que vous avez certainement jamais vues, puis que tout d'un coup, vous allez voir, voilà. Il décrasse les murs et les meubles. On peut aussi l'utiliser pour la voiture, pour l'hôtel. Lorsque vous devez débriefer en réunion professionnelle pour éviter justement un gros conflit, vous pouvez brûler le Palo Santo avant. Pour les relations de couple, pour dans la famille, l'amitié et les grandes occasions avant et après. Le Palo Santo lutte contre le rhume, les symptômes de la grippe, l'asthme, les maux de tête et inflammation pour les douleurs articulaires et les rhumatismes. Il est utile en fait dans toute occasion, lors de voyages, centres commerciaux. Et maintenant que je vous ai donné toutes ces indications, eh bien j'espère que vous en aurez pris bonne note et que vous aurez du plaisir justement à utiliser vos encens. Voilà en ce qui concerne le premier thème. Ensuite, nous allons peut-être commencer un autre. Attendez, là, je crois qu'on est en train de me signaler un nouvel appel. Allô, bonjour. Ah, bonsoir Annie, comment allez-vous? Bonsoir, excusez-moi, je confonds jour et la nuit. C'est pas. Vous allez bien? Oui, ça va bien, et puis vous? Je vais bien, merci. C'est un plaisir de vous parler de parler avec vous. C'est la première fois. Oui, moi, ça me fait plaisir de vous recevoir. Hein. Merci beaucoup. Alors, je prends juste votre date de naissance, quelques secondes.
D'accord. Voilà, je vous écoute. Est-ce que je peux dire votre prénom ou je le change? Vous pouvez le changer, s'il vous plaît. Vous avez un nom à m'inspirer, là, je bloque un peu. Ah. Allô? comment est-ce que vous avez un nom à m'inspirer? Ah non, ah, Tracy. Ah ben voilà, c'est vrai, une bonne idée. Tout Voilà. simple. C'était pas très loin. Merci la régie, on a trouvé. Alors, Tracy, quelle est votre question? Écoutez, alors j'aimerais déjà voir pour mon évolution spirituelle. D'accord. Alors, vous avez déjà fait un bout de parcours au niveau spirituel, Tracy, hein? Oui. Il y a encore des choses encore que vous n'avez pas encore très bien compris au niveau spirituel. Mais de toute façon, vous êtes quelqu'un qui n'allait pas abandonner comme ça votre chemin parce que vous avez envie et vous avez besoin de ce nouveau renouveau. Oui. Et puis, qu'est-ce que j'ai pas encore compris? Vous savez, vous pouvez me dire? Alors justement, en voyance pure, je ne désire pas tout voir, hein, parce que si je verrais tout, moi, ça va me poser un problème, en sachant tout et trop. Ah, Et puis, alors là, je vais quand même regarder, qu'est-ce que je peux vous dire au-delà de ça. Alors, l'évolution spirituelle. Est-ce que vous avez bien compris qu'est-ce que c'est l'évolution spirituelle et la religion? En tout cas, pour moi, ça va un peu dans la même direction, non? Alors, Vers, moi, oui, je pense qu'on va quand même vers Dieu, vers les anges, vers ce monde d'en haut, quoi. La religion, pour moi, et je pense que pour beaucoup d'autres, c'est la base de la spiritualité. D'accord? Voilà, oui. Maintenant, quand vous dites je vais vers les anges, je vais vers. En fait, c'est votre esprit. La spiritualité, c'est votre esprit. C'est de vous reconnecter à votre essence même, à votre vous, votre moi physique et votre voix supérieure. Votre voix. Votre vous supérieur. Et Oui. c'est là où vous avez un petit peu du mal à comprendre. En fait, quand on parle de spiritualité, c'est un cheminement. C'est pas quelque chose qu'on arrive à monter du jour au lendemain. Il faut beaucoup de patience parce qu'il y a beaucoup d'étapes à traverser. Il faut déjà aller vers la connaissance de soi-même. Quand on se Ouais. connaît très bien, quand on sait qui on est et quelle est notre mission, ben justement, ce sont des élévations qui vont toujours aller dans la lumière et vous allez toujours aller vers les anges. Mais après, il y Oui. a une autre étape qui va justement suivre. Et vous êtes encore dans cette phase de connaissance de vous-même. Ah, d'accord. Tracy, mais vous êtes de toute Oui. façon en bon chemin. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi les connaissances de moi-même? Bah, les connaissances de moi-même, c'est déjà de savoir qui vous êtes. Et quand je dis qui vous êtes, ça ne veut pas dire que vous ne savez pas comment vous vous appelez et quel jour vous êtes né. Mais en fait, Oui. c'est qui vous êtes à l'intérieur de vous, votre esprit, quel est votre esprit? Qu'est-ce qu'elle fait vibrer votre esprit? C'est les choses que vous allez aimer, c'est les choses que vous allez passer de côté, que pour vous, ben, c'est des choses du passé. Ça, en fait, c'est se libérer déjà de beaucoup de choses du passé qui ne vous concernent pas. C'est un peu comme les encens, hein. On doit se dégager des choses qui ne nous appartiennent plus, des énergies dites négatives. Et là, on apprend déjà à se recentrer, à se reconnecter avec soi-même, avec vous-même. Et Oui. vous êtes dans cette phase-là. Ah oui, d'accord. Et pour me reconnecter avec moi-même, qu'est-ce que je dois faire
Alors, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Ça va déjà passer par de la méditation, mais ça, je pense que ça, vous déjà, vous le faites. C'est-à-dire, là, j'ai commencé la méditation et puis ma tête, elle travaille trop et puis j'ai abandonné un peu, j'ai de la peine à, Alors, justement, oui. je vais vous couper. Là, vous voyez déjà. Réfléchir trop, vous n'êtes pas Oui. connecté avec vous-même. Réfléchir trop, vous faites commander par le mental et ça vous évite de vous enraciner. Enraciner. Donc, Oui. quand on veut aller vers soi-même, ça veut dire avoir un processus d'authenticité, ça veut dire aussi lâcher le mental. Ça veut dire Oh, mais c'est oui, se mais c'est laisser. difficile, hein? C'est un travail. C'est un travail. Oui. Ça veut dire s'écouter, écouter notre voix intérieure et pas réfléchir, ah, mais si je fais comme ça, moi je suis sûre que. Mais non, justement, ayez un enracinement, c'est aussi prendre confiance. Prendre confiance Oui, et oui. prendre conscience. Oui. Voyez, c'est tout un processus. Ah Et oui. il faut être gentil avec soi-même quand on envisage ce cheminement spirituel. On n'y arrive pas du premier coup. Il faut avoir beaucoup de patience et de tolérance envers soi-même. Oui. Je comprends, oui. Tout à fait. C'est ce qui me manque. Pour le moment, oui, parce que vous êtes dans un processus d'authentification. D'accord. Donc la méditation, elle peut justement vous reconnecter avec vous-même. Méditation, ça ne veut pas dire passer son temps à prier ou À à. méditer, ouais. On peut méditer de diverses manières. On peut tout simplement s'asseoir au bord d'une rivière et juste regarder la nature et laisser voir qu'est-ce que ça fait en vous d'être au bord de la nature, au bord d'une rivière, d'écouter les oiseaux chanter. Et là, vous allez justement rentrer dans une forme de méditation. Oui. Parce que si vous regardez bien, on fait partie de la nature et Bien on sûr, doit oui. déjà réapprendre, et ça c'est presque une obligation pour tout le monde, à se reconnecter à notre nature, à nous, parce qu'on vit sur une terre. Sur une planète qui Oui. s'appelle la Terre. Alors, si déjà on refuse de faire partie du monde, ça va être compliqué pour entrer dans ce cheminement spirituel. On n'est pas seulement un esprit, on est un esprit qui a été incarné dans la matière. Donc, cette matière, on peut déjà l'accepter. Oui. Et déjà là, au niveau énergétique, eh ben, c'est prendre soin de soi. Et c'est beaucoup de choses. Oui, bah oui. Maintenant, C'est ah. je pourrais parler des heures avec vous, Tracy, de ça, mais Oui. volontiers, je parlerai plus longuement de vous, de ça avec vous, et je pourrais même aller voir un petit peu plus loin que faire une lecture d'âme que je ne ferai pas à l'antenne. Il y a certaines choses que je ne fais pas à l'antenne parce que ça prend un tout Mais petit peu de je temps. comprends. Mais je pourrais une fois vous téléphoner à l'arrière. Oui, mais Voilà. déjà vous reconnectez déjà. À votre terre-mère, à votre vie, en fait. Oui. Et D'accord. allez gentiment et avec patience. Il faut être très patient avec soi-même. Il faut être patient. Oui, oui, Oui. oui, oui. Je comprends tout à fait, oui. Mais C'est ce qui me manque. de toute façon, vous fermez pas la porte à la spiritualité si c'est pour répondre à votre question première. Non, Oui. vous êtes curieuse, vous avez envie d'apprendre et de savoir en plus. Oui, c'est vrai. C'est vrai, oui. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon parcours parce qu'il va être très enrichissant pour vous. Ce Ah, oh, c'est bien ça. parcours, oui, il sera très enrichissant et vous verrez quand on arrive, je le dis pour tout le monde aussi, quand on arrive à ce stade-là, bien vous allez voir qu'il y a des grâces qui nous tombent dessus et on comprend. Pourquoi dire comment ça se fait, mais c'est incroyable ce qui m'arrive. Eh bien, je vous en souhaite tout plein, Tracy. Merci, merci infiniment, c'est très gentil, hein. Mais je vous en Alors prie. voilà, c'est vraiment un conseil qui m'est précieux, hein. Mais j'espère Oui, bien, je vous le souhaite. vraiment oui.
Alors, Annie, est-ce que je pourrais encore avoir une autre question concernant mes énergies physiques? Voilà. Mais très volontiers, j'allais vous poser la même question. Merci. Est-ce que vous avez envie de savoir autre chose? Alors, mais volontiers. Oui, merci. Faut pas que je me trompe cette fois-ci de d'oracle. Alors, vos énergies, elles suivent aussi votre chemin spirituel, hein? Ah, d'accord. Alors, Ah oui, plus parce que vous allez là, vous... j'ai des drôles de trucs dans les jambes, dans les bras. Vraiment, c'est... C'est ce que j'allais vous dire, Tracy, que si vous travaillez sur votre enracinement, bien justement, ces petits problèmes-là, ces petits soucis que vous avez, ben, ils vont disparaître. C'est que Oui. pour le Bon, moment, donc, c'est pour le rien de grave. non, c'est rien de grave. Ça a juste à voir avec l'enracinement. Je vais quand même regarder avec mon pendule où vous en êtes avec vos énergies, hein. D'accord. Alors, ouais, voilà, c'est ce que je vous disais. Il y a un petit souci au niveau de l'enracinement. Et puis. Voilà, on me dit que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, hein, pour travailler Oui. cet enracinement. Alors, moi, j'ai préparé un thème que je vais faire suivre après votre appel et je vais commencer à parler justement de cela. Alors, je vous souhaiterais et je vous encouragerais à regarder cette émission, pour que vous Oui. puissiez bien comprendre, parce que je vais assez détailler et c'est assez long. Alors, vous comprendrez que pour moi, c'est un peu compliqué de faire une consultation avec vous et de parler que de ça, parce que ça va être pour tout le monde. Mais si vous suivez l'émission, vous aurez plus de détails, parce que je vais vous donner aussi des petites astuces, hein, de comment on va Ah faire. oui, d'accord. Maintenant, je regarde quand même vos énergies, on va dire physiques. Voilà. Alors, vos énergies physiques, elles vont pas très mal, mais ça pourrait aller mieux. Oui, tout à fait. Votre système immunitaire, vous faites attention à votre système immunitaire. Le système immunitaire, oui. Oui. Moi, je suis pas médecin, on est d'accord, mais je Bien peux. sûr, oui. J'ai pas de médication à vous donner, mais il y a des petites choses que je pense sont tout aussi valables que des médicaments. C'est déjà de faire attention à comment on se nourrit, à qu'est-ce qu'on boit, si on dort bien et toutes ces choses-là. Donc, système immunitaire, ça veut dire un petit peu tout le système digestif qui est un petit peu défaillant. Et je pense qu'il faudrait renforcer un petit peu à ce niveau-là. Ça veut dire, vous pouvez déjà consommer du bifidus. Ah oui, d'accord, oui. D'accord, oui. Tout le monde dit que c'est bon pour la digestion, mais c'est pas que bon pour la digestion. C'est bon aussi pour renforcer le système immunitaire. D'accord, oui. D'accord. Alors, un petit peu de surmenage, hein. Attention. Oui, parce que ouais, j'ai fait une chute là au mois de décembre Oui. aussi, que j'ai cassé la... En bras, et puis ouais. Et puis maintenant, c'est les jambes. Je sens qu'il y a des trucs bizarres aussi aux jambes, aux bras, aux deux bras. C'est enfin, c'est En fait, c'est un petit peu les restes de ce que vous aviez eu, Tracy, hein. oui. Donc, il faut être un petit peu patiente pour que les énergies se rééquilibrent. Mais il y a de toute façon une Rééquilibre. amélioration pour vous, hein. Ah, d'accord, ouais. Est-ce que vous buvez assez? Écoutez, en tout cas, j'ai essayé parce que des fois, j'ai oublié aussi. Oui, mais j'essaie de voir, oui. Alors, vous savez, vous avez un peu des tremblements dans les jambes, vous me dites. Oui. Alors, c'est que l'eau que vous buvez, elle n'est pas assez riche. Elle n'est pas assez riche, Non, ouais.
Essayer d'investir un petit peu dans une eau minérale qui soit un peu bien conçue, bien riche en sels minéraux. Ah, d'accord. Et regardez bien de boire. Et après, si vous voulez augmenter encore la capacité de cette eau, je ne sais pas si vous utilisez les fleurs de vie. Hein. Ah, le fleur de vie, j'ai à la maison, oui. Je mets toujours ma bouteille d'eau sur la fleur de vie. Voilà, mais il faut être conscient que l'eau du robinet que vous buvez, elle n'est pas très Oui. riche en matière de minéraux. Je ne dis pas qu'elle n'est pas bonne, attention, hein. Oui, Mais oui, quand on oui. a des petits problèmes comme les vôtres, ben, il faut un peu améliorer ce qu'on boit. Ça veut dire justement tout ce que contient l'eau. Ah oui, c'est vrai, dans le commerce, on a tellement d'eau, mais je ne sais pas laquelle ça serait la meilleure pour moi. Madame, j'ai pas le droit de faire de la publicité ici. On est à Oui. l'antenne. Non, pas du tout, non. Sinon, je vais téléphoner dans les grands noms là et je vais leur demander qu'on me donne un pourcentage si je fais de la pub à la télé. Oui, ça serait pas mal, hein. Mais je peux pas. Mais je vais déjà voir ça. Moi, je vous dis Si juste. quelqu'un peut me renseigner là-bas. Non, je vais juste vous donner une petite astuce. Quand Oui. vous allez au rayon de l'eau, des Oui. eaux minérales, vous tournez juste l'étiquette, la bouteille, et vous regardez que l'étiquette où il y a la composition de l'eau, c'est marqué Oui. tout ce qu'il y a dedans. Et vous regardez que justement les valeurs, elles soient assez élevées. Assez élevé. Ah, d'accord. Voilà. Ah, ça c'est une bonne astuce, ça, oui. Voilà, ça je peux dire. D'accord. D'accord. Alors, super. Avec ça, vous aurez aussi tout ce qui est harmonisation et ancrage qui va s'améliorer. Vous allez faire les deux en même temps. En mettant des petites choses en place, vous allez pouvoir vous enraciner et puis améliorer votre ancrage. D'accord. Donc, Super. j'ai juste envie de vous dire, continuez. Oui, d'accord. En Est-ce tout cas, que. merci beaucoup, Annie. Puis je vais voir après l'émission que vous faites. Voilà, Sur, parce oui. qu'elle vous sera utile pour continuer ce que vous avez entrepris. Super, Alors, au d'accord. final, j'avais bien choisi mes thèmes des émissions. J'espère que Ah ça va rendre oui. service à vous et à beaucoup d'autres. À beaucoup de gens, bien sûr, mais oui, tout à fait, hein. Est-ce que vous Voilà. avez une autre question? Non, écoutez, non, pas pour aujourd'hui, non. C'est très D'accord. gentil à vous, Annie. Mais je vous en prie avec plaisir. Et puis, je vous souhaite tout de bon, et puis à une autre fois. À volontiers, à bientôt. À bientôt, Je Annie. vous embrasse, merci Merci. Au beaucoup. revoir, je vous embrasse aussi. Merci. Merci, Au au revoir. revoir, merci. Ben voilà, c'est incroyable, le temps avec vous, il passe beaucoup, beaucoup trop vite. Mais on me dit que je dois de nouveau vous quitter pour une petite page de pub. Alors à tout à l'heure. Voilà, coucou, notre page de pub est terminée. Et pour moi, j'ai l'honneur et le plaisir de parler d'un thème que j'ai proposé avant à l'autre personne qui m'a téléphoné. Donc, on va parler de l'ancrage. Et en fait, je vais parler de deux choses, de l'ancrage et de l'enracinement. Alors, à quoi ça sert l'ancrage? L'ancrage, ça sert à garder les pieds sur terre, à garder son calme et à retrouver une plénitude, à vivre pleinement votre réalité et être lié à vos émotions, réduire le taux de stress et apaise l'anxiété. Il chasse aussi les idées noires et aide à adopter la positive attitude. Permet une meilleure gestion des émotions, aide à être moins fatigué et avoir plus d'énergie, booste la confiance en soi et l'estime de soi, aide à oublier le passé et à aller de l'avant.
Il permet de lâcher prise plus facilement, aide à accepter le changement et à vous ouvrir vers l'inconnu, ce qui fait souvent peur. Permet de mieux se sentir dans son corps et de se sentir à sa place. Comment savoir si vous manquez d'ancrage? Alors, vous pouvez être souvent absent et perdu dans vos pensées. Êtes-vous souvent maladroit? Ou vous avez tendance à oublier des informations? Vous n'entendez pas? Pas de notion de temps non plus. Vous jouez un rôle secondaire dans votre propre vie. Vous avez souvent des jambes lourdes et les pieds froids. Vous êtes complètement déconnecté de ce qui se passe autour de vous. Comment comprendre ce mécanisme de l'ancrage? Alors, cet ancrage, il va se manifester de deux manières. Par une intensité. Ça veut dire, lorsqu'il y a un événement assez intense, eh bien, il y aura une émotion qui va submerger de vous-même. Et par exemple, je vais vous donner l'exemple de l'amour. C'est un bon exemple. Ou alors un bon souvenir ou une belle surprise. Une émotion, c'est quand on est. Voilà. Et aussi par la répétition. Répétition. Ça veut dire que c'est une association répétée d'un événement qui déclenche cet ancrage. Ça veut dire, disons que vous êtes dans une gare et que vous devez prendre un train et que d'un coup vous devez en prendre encore un autre. C'est une succession justement d'événements qui va faire que vous êtes ancré. Vous êtes là, vous êtes complètement là. Maintenant, ça c'est pour tout ce qui est ancrage physique. L'ancrage spirituel. L'ancrage spirituel est un peu différente. C'est une intelligence de l'esprit qui discerne ce qui est bon pour vous-même et ce qui est bon pour les autres. Alors, ce qui est bon pour les autres, ça ne veut pas dire que vous allez décider à la place des autres. Ça veut dire que ce qui est bon pour vous, ben, vous le voudrez aussi pour les autres. Ça veut dire, faites pas de mal aux autres. Ensuite, c'est vivre dans le ici et maintenant, vivre l'instant présent. C'est activer sa force intérieure, reliée avec l'énergie vitale. C'est aussi mieux affronter les petites contrariétés et les grandes choses émotionnelles, de se reconnecter à vos capacités à vivre votre vie. Être conscient et accepter le moment présent. Les signes qui peuvent signifier que vous avez besoin d'un peu plus d'ancrage spirituel, c'est que vous changez facilement d'avis et alors ou alors on vous fait facilement changer d'avis. Voilà. Il y a un manque de confiance en vous et une perte d'estime de vous-même. Et vous avez beaucoup de difficultés dans vos propres relations. Maintenant, vous allez me demander, mais c'est très bien tout ce qu'elle nous dit, Annie, c'est super, mais est-ce que l'ancrage et l'enracinement est différent? Alors, je vais vous dire, oui, c'est différent. L'enracinement vous relie verticalement dans vos énergies de la terre-mère. Le père-ciel, ça veut dire le moi-je physique et le moi-je connecté au ciel. L'ancrage, il relie les énergies horizontales. Ça veut dire sortir de l'irréalité du mensonge. C'est l'ouverture vers l'un et vers l'autre. Et en fait, c'est l'ouverture de votre esprit. Alors, il y a des gens qui vous disent, oui, moi je suis très spirituel, mais vous vous rendez compte que souvent c'est des esprits très fermés. Eh bien, ça ne veut pas dire que ce n'est pas des personnes spirituelles, mais ça veut dire que justement, ils ont un ancrage encore qui est pas assez ouvert.
S'enraciner, s'enraciner veut dire, c'est choisir de vivre sur terre, rendre à la terre mère ce qui doit l'être. Quand je vous dis ça, ça veut dire laisser au passé ce qui ne vous appartient pas. Libérer les blocages émotionnels et énergétiques. Faire des lâcher-prise sur le passé. Voilà, une très belle image. Et garder les pieds sur terre. C'est indispensable pour monter ces énergies hautes, pour grandir votre arbre de vie. Vous voyez, là, il est très bien montré, cet arbre de vie. Et c'est ça, en fait. Vous avez compris que l'enracinement et l'ancrage sont tout à fait complémentaires. Et laissez la place à l'énergie qui circule en vous, qui s'appelle, et souvent à l'arrière, je parle de ça, c'est le flux intérieur. Les signes que vous pouvez manquer d'enracinement, c'est planer, être distant, toujours dans la lune, pas présent dans la réalité, avoir mal avec les choses courantes de la vie. Hein. Ça veut dire que les petites choses vous font tout de suite très vite très mal. Ou alors procrastiner. Marcher sur la pointe des pieds. Transpiration excessive des pieds. Impatience dans les jambes et dans les pieds. Des chutes fréquentes. Mentaliser. Penser qui tourne en boucle. Ou dormir trop ou inversement. Mais vous allez me dire, Annie, c'est tout très bien, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Comment faire? Comment faire pour s'enraciner et s'ancrer? Alors, c'est des astuces qui ne sont pas compliquées à mettre en place. Il va falloir juste que vous soyez persévérante. Marcher, courir, voir des amis, rire, l'amour, activité de méditation et se reconnecter avec soi-même, ressentir ce qui se passe en vous. Respirer, écouter de la musique. Toutes les activités qui prennent soin du corps. Massage, relaxation, étirement, alimentation saine. Le contact avec la nature. Plus vous êtes en état de conscience et loin du mental, plus vous êtes ancré. Plus vous vous positionnez et plus vous êtes enraciné. En faisant ces petits exercices, vous serez relié avec la terre. L'énergie va remonter jusqu'à vos pieds, puis va aller jusqu'au cœur. Va nourrir de la confiance, de la sérénité, de la volonté. Et c'est justement à ce moment-là que vous pourrez déposer l'intention sur quelque chose que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie. Et c'est encore mieux si vous le faites à pieds nus. Alors, je vais mettre une petite anecdote concernant ça. Vous avez certainement déjà tous vu ou eu vos enfants petits. Et les garçons savent très bien faire ce genre de choses. Ah, moi, quand je serai grand, et puis ils se positionnent dans leur vie. Je serai le plus fort et ils ont tous comment on appelle ça, un superman, un super héros, voilà, dans leur esprit. Ben, en fait, c'est un peu ça qu'on vous demande et c'est ça, c'est ce à quoi ça va servir justement cet enracinement et cet ancrage. Donc voilà ce que vous pourrez faire. Vous retrouvez dans votre monde enfantin et justement de poser cette intention. Maintenant, je crois que j'ai terminé concernant justement l'ancrage et l'enracinement. Heureusement, parce que je m'inquiétais de savoir si j'allais pouvoir le dire jusqu'au bout. Heureusement, oui.
Et si jamais je n'ai pas d'autres appels, je vais commencer un nouveau thème qui est aussi riche. Et je vais vous parler des outils qu'on peut utiliser justement pour développer nos énergies, hein. D'où la spiritualité. Comme vous le savez, un ouvrier a des outils. Et puis, dans le monde spirituel, on en a aussi. Et on appelle ça, ben, justement les outils énergétiques. Et il y en a un qui est intéressant, qui n'est pas reconnu justement par la médecine, et qui s'appelle la lithothérapie. La lithothérapie sont des minéraux précieux qui sont semés de carats. Et c'est un ensemble d'un composé chimique utilisé depuis des millénaires. C'est une thérapie qui est liée au bien-être physique, émotionnel et énergétique. Litho est égal à thérapie. Ça veut dire thérapie par les pierres. Et beaucoup, beaucoup comment on appelle ça? J'ai un petit blanc là, venez au secours, à mon secours. Ceux qui pratiquent les médecines alternatives, ben justement, utilisent justement les méthodes de la lithothérapie. Les cristaux, vous allez dire, mais comment ça se fait que ces cristaux peuvent nous aider à faire monter nos énergies? Et ben justement, parce que la lithothérapie, les cristaux émettent des vibrations énergétiques qui vont toucher le corps, l'esprit et l'âme. Alors, je vais utiliser le mot pouvoir, hein, pour que vous puissiez bien comprendre ce en quoi je veux venir. Elle a plusieurs pouvoirs, en fait, la lithothérapie. Elles peuvent s'utiliser pour débloquer, pour bloquer, pour dissoudre, équilibrer, fluidifier, équilibrer ou améliorer les énergies. Porter des bijoux, placer des cristaux sur différentes parties du corps ou méditer avec. On peut l'utiliser justement dans le yoga, dans le reiki et toutes ces thérapies-là, hein. Ou vous pouvez aussi les utiliser en les plaçant dans votre environnement pour créer une atmosphère et une ambiance positive. Cette pratique, elle est utilisée par par des grands créateurs aussi de bijoux à des fins artistiques. Hein, vous avez certainement vu des bijoux remplis de certains cristaux. Ben, c'est nos jolies pierres à nous, hein, qu'on utilise en lithothérapie. Hein. Donc là, on va plutôt utiliser des formes symboliques dans la matière de bijouterie. Hein. Maintenant, est-ce qu'il est important de purifier les pierres? Bien sûr que c'est important. C'est très important. Pourquoi? Ben, il faut savoir purifier de nos pierres de manière cohérente et qui a un sens pour chacun de vous. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une méthode. Il y a tout plein de méthodes et il y en a certainement aussi encore que vous pouvez vous-même inventer, pourvu qu'elles soient cohérentes avec vous-même. Dans votre environnement naturel, dans son environnement naturel, pardon, les pierres, elle n'a pas besoin d'être purifiée parce qu'elle a l'eau, elle a la terre, elle a le vent. Ah ben écoutez, je vais devoir suspendre mon thème de la lithothérapie pour prendre quelqu'un. Allô, bonjour. Oui. Oui. Allô, comment Je allez-vous? suis Alain. Alors Bonjour. écoutez, ça va bien, j'ai mes énergies très basses, je trouve. Ah oui? Je veux juste Oui. prendre votre date de naissance, une minute. Je peux donner votre nom à l'antenne? Oui, bien sûr. Pas le nom de famille, mais le Non, mais prénom, oui. je l'ai pas. Alors, c'est Alain. Oui, Alain, comment allez-vous? Alors, ça va beaucoup mieux qu'au début quand j'ai perdu mon ami. Oui. Ça va beaucoup mieux maintenant, mais je me sens fatigué. Physiquement, je me sens pas à l'aise. J'ai encore un gros truc à faire cet après-midi. Donc, je vais rentrer, mais craqué. Vous allez rentrer quoi? J'ai pas compris.
Je vais rentrer fatigué. Ah, vous allez rentrer fatigué. Ben, énergétiquement, vous Oui. êtes fatigué. Alors maintenant, Oui. ce passage de fatigue, c'est la libération d'un vieux, je vais utiliser d'un vieux vêtement. Donc il y a ce petit Oui. passage un petit peu, on va dire, avide, Alain. Mais il Oui, n'y a rien de oui. grave. Non. Non, Alors ça va. elles vont remonter vos énergies, mais pensez quand même Oui. à vous reposer un peu. Oui, alors j'essaye, mais j'ai pas mal de boulot chez moi. Cet après-midi, j'ai la dame qui vient m'accompagner aux commissions. Et puis voilà. Donc, moi, aller en commission, j'aime bien, mais quand il y a des magasins où il y a plein de monde, Ça vous comme fatigue, je hein? suis agoraphobe, ça me pique de l'énergie. Moi, je vois un petit peu chez vous de la dispersion. Vous ne savez plus où donner de la tête par moment. Oui. Alors moi, j'adore la peinture. J'ai acheté de la dispersion, justement. Quelle métaphore, Alain! Oui. Mais ça vous fera peut-être du bien à transcender justement cette dispersion. Oui. Écoutez, En il y a plus. franchement rien de grave dans vos énergies, Alain. C'est Oui. momentané, comme je vous disais, hein. Ça Oui, va oui. vite, vous allez vite vous remonter vos énergies pour vous stabiliser, hein. Oui. Puis je sens que mon amie défunte est proche de moi tout le temps. Elle m'aide. Elle vous accompagne jusqu'à ce que Elle vous soyez m'accompagne. d'accord de reprendre votre vie amoureuse en main. Alors j'essaye, j'ai des prétendantes, mais c'est pas facile de faire un choix. Ah. Votre cœur C'est balance un peu vraiment à pas gauche, à droite, facile. et puis après vous vous étonnez que vous êtes fatigué. Oui, parce que là maintenant, toutes les infirmières qui viennent chez moi savent que mon ami est décédé et se disent, voilà un homme libre, sympa, qui trouve toujours des combines pour se débrouiller. Et puis, je sais plus où donner de la tête. Voilà, et puis après vous vous étonnez que vous êtes fatigué, vous voyez? Oui. Vous êtes fatigué Oui. d'avoir toutes ces charmantes dames qui vous tournent autour. Du coup, vous avez le Voilà, tourniquet. oui. Oui, non, mais c'est terrible parce qu'en plus, comme c'est des infirmières du CMS, elles n'ont pas le droit de me voir en dehors de leur travail. J'ai compris. Et là, je vous taquine un petit peu, Alain, hein, mais il y a quand même une part Oui, d'un oui, de oui. vérité dans ce que je vous dis. J'essaie de vous faire rire un petit peu, Oui. de mettre un peu d'humour Oui. un peu à cette fatigue, on va dire. Alors moi, j'essaie de mettre toujours de l'humour partout où je vais parce que ça m'aide à avancer. Et Bravo. l'humour est un brise-muraille. Quand vous avez des gens qui sont pas trop heureux, vous diffusez un peu d'amour, d'humour. Mais l'humour se vit à deux. Mais Et je trouve que l'humour, quand la personne comprend mon humour, alors je suis content, je suis ravi. vous savez, Alain, l'humour se partage aussi tout seul. C'est quand on arrive à un stade où on rit de soi-même. Ah oui, l'autodérision, oui, bien Voilà. sûr. Alors, je vais quand même regarder Oui. avec mon oracle comment elles vont aller vos énergies, hein. Oui. Moi, je vois de toute façon une amélioration chez vous, hein. Vous allez passer un gros Oui. cap dans pas très longtemps. Eh ben voilà, elle est Oui. là. Vous allez, si la caméra elle veut peut-être montrer, vous allez faire un saut de un bond parce que votre cœur en fait il est prêt, hein. Vous allez retrouver beaucoup plus de liberté, Alain, au niveau Oui, énergétique. j'espère parce que pour le moment j'ai encore mal au cœur après la disparition de mon ami. Mais en Ben même temps, je ne sais pas si c'est dû au deuil ou si c'est dû à un gros accident de moto que j'ai eu il y a 2 ans. vous savez, votre mal au cœur, et si vous êtes fatigué, Alain, c'est justement parce qu'on aimerait que vous vous libériez de ce chagrin, Oui. que vous désiriez Alors le profondément. chagrin, ça va beaucoup mieux. Parce que j'ai compris qu'elle était heureuse là où elle était, qu'elle avait retrouvé sa liberté et toutes
toutes ses facultés physiques qu'elle n'avait plus à la fin de sa vie, suite à l'AVC qu'elle a fait. C'était très grave. Donc elle était paralysée d'une jambe et d'un bras. Et puis c'était quelqu'un qui adorait bouger. Et dans cet état-là, elle ne pouvait pas bouger. Donc la seule libération, c'était le décès. Alain, aujourd'hui, on vous Oui. demande, je ne dis pas que vous ne devez plus penser à elle, mais on veut vous donner autre chose aujourd'hui. On veut vous donner, Oui. on veut vous récompenser de tous les efforts que vous avez faits. Et si vous êtes fatigué, c'est justement parce que vous avez du mal à abandonner tout ça. Alors, abandon, il Oui. y a, dans le mot abandonner, il y a aussi le mot s'abandonner. Alors, Oui. comme je vous ai dit, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez oublier votre ancienne amie ou la mettre de côté, mais c'est Ah d'abandonner. non, ça, j'y arrive pas. Mais je voulais vous poser une question parce que j'ai entendu une fois dans votre émission un voyant qui disait c'est pas bon de mettre des photos de quelqu'un qu'on a connu qui est décédé. Et j'ai pas compris pourquoi, parce que moi j'ai mis des photos, j'ai mis des choses à elle, à qui ces choses je parle, à ces choses, ces effets personnels. Et j'ai eu des manifestations avec ces objets, avec ce matériel. Alain, je voudrais juste terminer ce que j'étais en train de vous dire, si vous permettez. Oui, Je vous bien disais sûr. que on vous demande de vous abandonner un petit peu plus à votre nouvelle vie. Oui, Et vous serez alors beaucoup moins ça, fatigué de oser aller de l'avant parce qu'il y a quelque chose de bien qui va arriver pour vous. Maintenant, en ce qui oui. concerne pour les photos, alors moi, je partage l'avis que si on met les photos d'un défunt, le défunt, il ne viendra pas vous embêter, il ne viendra pas vous faire du mal, au contraire. Donc, je ne suis Non, pas d'accord non. avec cette théorie qu'il ne faut pas mettre les photos des défunts, non. On peut mettre les photos des défunts. Et si vous regardez très clairement et honnêtement que si vous allez dans un musée, vous allez voir tous ces défunts qui datent de je ne sais pas quelle ère. Oui, il y en a Et plein, on ne oui. leur dit rien. Alors, pourquoi pas mettre nos défunts à nous, chez nous? C'est Oui. votre monde à vous et on peut encore les chérir même le jour où ils ne sont plus là parce qu'ils veillent sur nous quand ils sont là-haut, hein. Oui. Non, je trouve qu'elle m'aide beaucoup. Bien sûr, mais elle veut aussi que vous lâchiez un petit peu pour que vous vous abandonniez Ce un peu qu'elle aimerait, plus. c'est que j'ai une vie heureuse, que je continue ma vie dans la même direction que j'avais pris avant qu'elle décède, et que je sois heureux, que je mène une vie. Parce que d'après ce que j'ai ressenti, elle s'inquiète beaucoup pour moi, pour mon avenir. Et Alors, j'ai envie de lui dire, mais. elle s'inquiète pas parce qu'elle vous fait confiance. Et Oui, moi, je oui. vous invite à regarder cette émission quand elle Oui. sera rediffusée parce que vous allez voir ce que j'ai devant moi là. Ce qu'on est en train de Oui. vous annoncer, c'est que vraiment, vous allez être heureux dans votre vie pour autant que vous l'acceptiez. Ah ben, ça, bien sûr, je vais l'accepter. La rediffusion sera à quel jour? Téléphonez à l'arrière et on vous répondra. Oui. Mais normalement, c'est le C'est certain. lendemain, la rediffusion. Oui. Est-ce que vous avez une autre question? Non, pas spécifiquement, non. Je voulais juste savoir si, parce que je vais tous les jours au cimetière poser des fleurs Oui. et des choses pour mon ami décédé, et je voulais savoir si elle le ressentait puis que ça lui faisait plaisir. Mais bien sûr qu'elle ressent, et bien sûr qu'elle vous voit, et bien sûr qu'elle vous écoute. Oui. Il faut pas vous inquiéter pour elle, elle est très très bien. Et Oui, alors ça, c'est ce que j'ai entendu aussi, ce c'est qu'elle qu'elle a, elle a trouvé sa liberté, un équilibre. elle vous souhaite de reprendre votre vie en main. Voilà. Alors, je vais la reprendre en main, sérieusement, parce que j'ai pas mal de boulot, je suis plein de.
de demande de mon travail de peinture. Donc j'ai pour à peu près une année de boulot à plein temps. Une année? Oui. Mais vous avez l'intention de rénover votre appartement ou bien? Ben, c'est-à-dire, je vais faire de la peinture, mais pas de la peinture contre les murs. Je vais faire des peintures, je suis artiste peintre. Oh, bravo! Et vous utilisez de la Alors, dispersion pour faire de la peinture? oui. Oui, mais là, comme avec le décès, j'ai été bloqué. Il y a une infirmière qui m'avait demandé un dessin. Et puis, j'ai dit, il faudra attendre un moment parce que je vais être bloqué. Je sentais la disparition parce que quand j'ai trouvé mon ami au CHUV, je l'ai vu dans un sale état et j'ai vu le cercueil à côté. Et quand je suis allé la trouver dans la chambre mortuaire, j'ai vu le même cercueil que j'ai vu au CHUV. Donc vous étiez... j'avais déjà des images, je m'attendais à sa disparition. Bien sûr, on vous avait préparé. Mais comme j'étais préparé, ça n'a pas atténué ma peine. Ben, au moins, vous n'avez pas eu le choc. C'est ce qu'on ne voulait non. pas. Le choc, bien sûr qu'il y en a eu un peu. Oui, mais si vous n'auriez pas été préparé, vous auriez été dans un très gros choc, peut-être, que vous n'auriez pas pu vous relever. Tandis que là, non. on est venu vous l'annoncer et on vous a préparé gentiment à lui dire au revoir. Après, oui, c'est qu'un oui. au revoir, parce qu'un beau jour, vous allez la rejoindre. Hein. Oui. Comme et tout ça, le monde. Je m'en réjouis. Parce que je disais, avant qu'elle passe, je disais, tu vas retrouver ta soeur disparue, que tu as beaucoup aimée, ta maman, ils t'attendent là-haut. Et chaque soir, je prie pour elle et je lui dis, mais va vers la lumière. Parce que c'est là qu'il faut aller. C'est à ce moment-là qu'il faut... Donc j'allume une bougie et je fais mes prières. Voilà. Cher voilà. Alain, je vais oui. malheureusement devoir vous dire au revoir. Hein. Oui, je vous dis au revoir et je vous remercie beaucoup pour vos réponses. Mais de rien, avec grand plaisir. Moi, je vous souhaite... Je vous souhaite une très très belle journée. À vous, soirée. Et puis un bel avenir aussi. Moi, merci je vous... beaucoup. Mais je vous en prie, je vous souhaite un bel avenir à vous aussi, de bien, bien vous remonter dans vos énergies. Vous allez voir, oui. vous allez faire un grand bond. Oui, merci beaucoup. Je vous en prie. Très au bonne revoir, soirée Annie. À vous. Au revoir Alain. Je vais vous dire. Dites-moi. Ah, je crois qu'il est parti. J'ai pas saisi ce qu'il voulait me dire, mais ça fait rien. Il aura peut-être l'occasion de me le redire encore une autre fois ou on ne sait pas. Voilà, bah, chers téléspectateurs, bah, vous avez bien remarqué que le temps a passé très très vite. Moi, je suis toujours très contente de venir vous voir ici dans nos studios. Et puis, bah, pour moi, c'est gentiment l'heure de vous dire au revoir. J'ai peut-être pas pu terminer la lithothérapie, mais je vous promets que je reviendrai sur ce thème une autre fois. Comme ça, vous serez un petit peu plus au clair. Moi, ce qui me tenait surtout à cœur, eh ben, c'était de vous parler du thème de l'ancrage et de l'enracinement. J'ai pu le faire et j'en suis très, très heureuse. J'espère que tous mes conseils vous seront la bienvenue. Et puis, je suis connectée tous les jours à l'arrière. Je n'ai pas vraiment véritablement d'heures ou de plan de travail parce que moi aussi j'ai toujours des imprévus comme ma collègue Tracy, donc, mais sachez que je suis toujours et habituellement assez présente, donc je suis là plutôt vers le début, fin de matinée, début d'après-midi et jusque dans la soirée aussi. Voilà, donc avec ça, ben, moi je me laisse juste j'ai juste le temps de vous dire au revoir, que j'ai passé une super soirée avec vous. J'espère que vous aussi. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir et gros bec. Et n'oubliez pas que l'amour, c'est vous. Voilà. Au revoir et à bientôt. Merci beaucoup.